Salut Manu. Salut Patrick, bonjour tout le monde. Alors ici, on est sur un bassin en devenir. Exactement, donc un bassin qui est encore en cours de chantier, alors qui est terminé, hein, qui est en route, comme on le voit, hein, l'eau est faite, les poissons sont en place, mais voilà, il reste tout l'aménagement paysager à réaliser, terminer le local technique et le rendre totalement étanche, faire tout l'habillage, quoi, tout l'aménagement. Alors on peut donner un peu les spécifications de ce bassin? Alors bassin entre 25 et 28 mètres cubes, on a une bonde de fond, un skimmer avec deux refoulements, donc du coup deux pompes vu qu'on est en full gravitaire, et puis donc on a un tambour combi
avec derrière deux cuves de tapis japonais de 1000 litres et donc deux pompes de 22 mètres cubeurs. Chacun des refoulements donnant en fait un mouvement concentrique à l'eau de façon à tout repousser vers la bonde de fond qui est au plus profond à 1,70 m à peu près. C'est ça, bon, le skimmer, il y a une grille qui a été mise dessus pour que les poissons n'y aillent pas. Exactement, vu que les premiers poissons étaient des tosai, pas très très grands, c'est une sécurité pour éviter de les retrouver dans la filtration. Bon, ils n'ont jamais évolué. Ouais. Ouais, parce que je ne les ai pas vus depuis, allez, 2 mois, 3 mois, et ça a pris facilement 10 à 15 cm pour certains. Ouais, ouais, bon, bah, écoute, ouais, il suffit de nourrir. Exactement, donc ça, on a ce qu'il faut. Bon, et puis d'avoir une bonne filtration, c'est méga important. Exactement. Donc là, le combi bio, alors même si ce sont des petits combi bio donnés pour 25 à 30 mètres cubes de bassin, moi je ne jure pas que par le combi bio, j'aime bien rajouter de la matière filtrante. Et quitte à rajouter, bah, la valeur sûre, ça reste le tapis japonais. On a une colonisation qui est vraiment très dense. On a une dégradation de l'ammoniac et des nitrites qui est extraordinaire. Donc quand on met du tapis japonais dans une filtration, et quand on a la bonne quantité, bien sûr, on se retrouve toujours avec des filtrations qui tournent très bien. Et quand on a la mécanique et la bonne bio, bah, ça donne des résultats avec une eau cristalline toute l'année, quoi. Exactement. Alors là, bon, on a filmé le bassin, mais j'ai aussi eu l'occasion de filmer la bonde de fond, ce qui atteste la clarté de l'eau. Oui, 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 complètement. Voilà, on la voit très très bien. Oui, alors pour donner une idée, elle est à quelle profondeur? Donc c'est 1,70 m ici, au plus profond. 1,70 m, bon, l'eau est parfaitement claire. Donc, ouais. Voilà. Et la qualité d'eau ne bouge pas. Alors là, on sort d'une période, on est en plein été, on sort d'une période de canicule intense, on a eu presque 44 degrés la semaine dernière, et comme on le constate, voilà, l'eau reste totalement stable, les poissons sont en pleine forme, ça pousse, il n'y a pas de souci de nitrite, il n'y a pas de souci d'oxygène non plus, puisque dans ce type de filtration, on a un moving bed dans le tambour, on a deux gros aérateurs avec deux pompes à air pour les cuves de tapis japonais, donc il y a tellement d'air et d'eau oxygénée qui arrive dans le bassin, que le client n'est absolument pas inquiet d'une quelconque poussée nitrite ou problème de quantité d'oxygène dans l'eau quand il fait très chaud. Bon, pour terminer, c'est un bassin en HPDM. Alors, c'est du EPDM, tu veux dire. EPDM, EPDM oui. Oui, c'est de l'EPDM. Donc moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Source et Lumière, qui fonctionne avec moi donc pour tout ce qui est bassin EPDM. Donc il fait des collages qui sont très propres. Quoi. On n'a pas de plis de bâche, on n'a rien, c'est nickel. Quoi. Donc je ne suis pas tout seul à intervenir, bien sûr, heureusement. On a quelqu'un qui fait le terrassement, donc quelqu'un pour l'étanchéité. Moi, je fais tout ce qui est raccordement de filtration, pose de tous les éléments de filtration dans le bassin. Et puis bah, après, derrière, je fais les mises en route, je fais la vente et le suivi du bassin au niveau des poissons. Et voilà. Bon, on rappelle que l'EPDM s'est vulcanisé et que bon, s'il y a des plis, c'est toujours embêtant parce que ça permet le développement d'anaérobie. Donc c'est à déconseiller, ou le conseil à donner, je dirais, c'est de coller ces plis. Exactement. Alors on ne coupe pas, il faut bien comprendre que dans la pose d'un EPDM sur une forme naturelle comme celle-ci, l'EPDM n'est pas coupé avec des risques de fuite. On fait les mêmes plis que ce qu'on ferait habituellement, sauf qu'il y a des bandes étanches qui sont vulcanisées de façon à rendre complètement étanche le pli. Comme dit Patrick, dès qu'on va avoir de la matière résiduelle à l'intérieur des plis, eh bien, un coup de chaud, on a du développement pathogène et ça peut vraiment aller très très vite dans un bassin quand il fait chaud. Exactement. Donc, et puis en plus, pour l'aspect esthétique, ça ne fait qu'améliorer la situation. Oui, je ne suis pas convaincu qu'avec des plis de 50 cm de large, on aurait la même qualité d'eau dans une période aussi chaude qu'en ce moment. Exactement, donc voilà, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Si jamais vous faites votre bassin vous-même et que vous avez des plis, forcément, je crois que tout le monde a des plis. Hein, donc, mais il existe des bandes spécifiques pour coller ces plis. Il est très important de coller ces plis pour, si vous ne voulez pas avoir d'ennuis avec vos poissons ultérieurement. Exactement, donc c'est pas forcément très très onéreux de passer par un professionnel par rapport surtout au prix de l'EPDM en ce moment. C'est pas excessif. On a un professionnel qui vient, qui pose le PDM et qui pose le feutre, donc qui le pose déjà bien, qui pose les bons matériaux et qui en plus de ça colle les plis de sorte qu'il n'y ait pas de matière résiduelle à l'intérieur.
Exactement. Ben voilà, encore un bel exemple de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, ce qui est souhaitable de faire. Exactement. Alors, bien sûr, ça représente un budget. Toute filtration, tout bassin représente un budget. Quand on voit des bassins bien filtrés comme ça, on peut se mettre à rêver de vouloir la même chose. C'est pas si cher que ça. Et puis, aujourd'hui, il faut bien penser que si vous partez du principe qu'un bassin qui est mal filtré, qui consomme beaucoup d'énergie, ou en tout cas trop d'énergie quand il n'est pas en gravitaire, quand en plus de ça on rajoute tous les produits qu'il faut rajouter pour compenser la mauvaise filtration, étalez ça sur quelques années, je vous promets que vous payez une très belle filtration en quelques années avec tout l'excès d'énergie et de produits que vous allez mettre dans un bassin mal filtré. C'est ça, et puis pas oublier les changements d'eau, ce qui était méga. Ouais, 10% par semaine en pleine saison, c'est très bien. On peut faire un peu plus pour ceux qui ont les moyens d'avoir une eau un peu moins chère. Ouais. Mais voilà, on évite de passer 2 semaines d'affilée sans changement d'eau. Au niveau des bassins, c'est quand même mieux de reminéraliser, de diluer les nitrites, diluer les phosphates. Voilà, on entretient vraiment très bien son bassin avec 10% par semaine. Alors, ce qui est aussi important de dire, si vous voulez avoir des coques qui grandissent bien, il faut les nourrir. Et la quantité de nourriture va avoir une incidence directe sur la filtration. Exactement. Donc la nourriture, c'est important de se rapprocher de son professionnel pour avoir véritablement son expérience sur la nourriture qu'on doit utiliser. Chaque nourriture correspond quelque part à un type de filtration. Et moi, dans certaines gammes de nourriture, je ne peux pas me permettre de vendre une nourriture hyper boostée en protéines quand les filtrations ne suivent pas. Ce serait prendre un danger et faire prendre un danger énorme aux poissons. Nous, en tant que professionnels, on se doit d'être à l'écoute du client, de poser les bonnes questions pour comprendre quoi donner aux poissons. Exactement. Eh bien, je te remercie en tous les cas, Manu, pour toutes ces explications. Merci à toi, Patrick. Qui sont bien utiles, du reste. Oui. Donc, qui sont même essentielles. Et puis, nous, on se dit à très bientôt, parce qu'on en a d'autres à voir. Exactement, on en a plein d'autres. Restez attentifs et surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Salut tout le monde.